80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98. Oh non! On voulait apprendre à compter de 80 à au moins 99. On a qu'à recommencer à compter, mais cette fois à l'envers. On commence à 99 et on arrête à 80, d'accord? 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81 et 80. Tu ne remarques rien? Si, quand on compte de 80 à 99, ou inversement, on entend toujours le mot 80. Et 80, c'est 4 fois 20. Mais 80, c'est aussi 20 plus 20 plus 20 plus 20. Hé, les mains, et si on faisait le même jeu que la dernière fois? Oui. La droite, tu écris les nombres en lettres. Et toi, la gauche, tu les écris en chiffres. D'accord? Prêt? Alors, 80. Arrête! Tu sais bien qu'il faut attendre d'entendre tout le nombre avant de l'écrire en chiffres. 14. Oui, bravo. Car même si on entend 80 au début, il peut commencer par un 8 ou par un 9. C'est parce qu'on n'a pas de nouveaux mots pour désigner la dizaine supérieure à 80. 94, c'est 80 plus 14. Pour compter de 80 à 99, on utilise toujours le mot 80 et on complète avec les nombres de 1 à 19. Maintenant, on sait compter de 0 à 99. Je suis bien curieuse de savoir ce qu'on va voir la prochaine fois. Moi aussi. Mais en attendant, on joue avec Yuki. Allez, va chercher la baballe.